Donc, le chapitre numéro 3 concerne la transmission de puissance avec transformation de mouvement. Ça veut dire en transformant la nature de mouvement. Par exemple, dans l'entrée, on a un mouvement de rotation et dans la sortie, on aura un mouvement de translation et inversement. Donc, nous avons déjà vu le premier système dit la bille manivelle. Donc, le deuxième système qui permet la transformation de mouvement, c'est le système pignon-crémaillère. Notre système d'étude, ou bien système d'étude, c'est le mini-perceuse sensitive. Donc, c'est une machine à percer les pièces, soit métalliques, soit en bois ou bien en plastique, en utilisant des forêts et les couidales. Ce sont des outils à percer les pièces. Donc, notre mécanisme est composé d'un moteur qui permet de transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation afin de lui adapter au système de perçage. Donc, à la sortie du moteur, on trouve une poulie étagée qui permet de transmettre en modifiant la vitesse de l'arbre moteur vers l'arbre porte-outil ou bien l'arbre de la broche ou bien ou bien du fourreau. C'est bien. Donc, on a une poulie étagée à l'entrée et à la sortie. Donc, si en modifiant la position de cette courroie, et plus précisément, c'est une courroie trapézoïdale, on aura un changement de vitesse à ce niveau. Pourquoi? Parce que ici, on a un diamètre, par exemple, très inférieur, ou bien très petit, par rapport à un diamètre grand. Donc, on aura une vitesse grande. Mais si on inverse ceci, donc le. Si on aura dans l'entrée un diamètre grand et dans la sortie un diamètre petit, donc la vitesse il augmente. C'est bon. Donc, une fois le ferreau fait le mouvement de rotation, donc l'outil qu'on monte ici, c'est le forêt hélicoïdal, peut percer les pièces. Pour le faire descendre, on agit sur le levier de commande, ou bien le bras de commande, ou bien le cabestan, ça s'appelle aussi un cabestan. Donc, si on fait un mouvement de rotation ici, on aura dans la sortie un mouvement de translation de la broche. Donc, on aura une transformation de mouvement à ce niveau. Une rotation se transforme en translation. Donc, à l'entrée, on a une rotation des leviers et on aura un déplacement rectiligne de quoi? Des fourreaux. Si vous voyez ici, on a un écrou et un vis. Voilà une rainure au niveau des fourreaux. Donc, ce fourreau, il est guidé par rapport à ce carter par l'intermédiaire de cette vis. Donc, on passe au dessin pour bien comprendre le système. Donc, voilà notre dessin. On va faire le classement des pièces pour le classifier selon des classes d'équivalence. Donc, les classes d'équivalence, on fait un petit rappel, ce sont les pièces qui ne font aucun mouvement entre eux. Donc, un bloc cinématique, ça s'appelle aussi un bloc cinématique. C'est bon. Donc, on a le levier de commande lié avec un pignon. Donc, guider le mouvement de rotation par rapport au carter. Si on agit sur le levier, donc, on aura la transmission ou bien la translation de ce fourreau. C'est bon. Donc, le fourreau, on a dit qu'il est guidé par rapport au carter en mouvement de translation. Voilà le vis que vous avez déjà vu dans l'illustration précédemment. Voilà. Voilà le vis et son écrou. Ça s'appelle un vis de guidage sans tête. Un vis de guidage sans tête. C'est bon. Donc, on passe aux classes d'équivalence. On commence toujours par les éléments qui sont fixes au système. Donc, par exemple, on a le battu. Donc voilà le battu d'un bien le corps. Bien, le corps. Donc on cherche à déterminer toutes les pièces qui sont en liaison fixe avec ce corps pour construire un bloc cinématique ou bien une classe d'équivalence. Premièrement, on aura cette pièce, la pièce repérée 15. C'est une pièce qu'on l'appelle porte roulement. Il est monté avec la pièce 3 par l'intermédiaire d'une goupille cylindrique 16. Donc, toutes les trois se construisent une classe d'équivalence. On peut aussi rajouter d'autres pièces, par exemple que la vis ou bien la vis sans tête tatitan qui permet le guidage de fourreau parce qu'il est monté sur le carter d'Yelna ou bien le corps. Ensuite, l'écrou de réglage de cette vis. Et aussi, on a un circlipse à ce niveau. Le circlipse. C'est un circlipse qui permet d'éviter la translation de ce roulement vers la droite.
Il est monté à l'alisage, donc il est monté sur la pièce 15. Et la pièce 15, il est fixe avec la pièce 3, donc aussi 10, il est fixe avec 15. Donc notre classe d'équivalence, il consiste trouvé de 3, 10, 15, 16, 18, 19 et 21. 21, c'est quoi? C'est la couvercle qui protège ce ressort. Ça, c'est un ressort sphéroïdal ou bien spiral. Son rôle, c'est quoi? Lorsqu'on agit sur le levier de commande pour faire descendre le ferreau, une fois on relâche notre levier, on aura la montée de ferreau. La montée est provoquée par quoi? Par le ressort spiral. Donc c'est un ressort de rappel. Donc la deuxième classe d'équivalence, par exemple, c'est des poulies étagées. Donc on va chercher toutes les pièces qui sont fixes avec le poulet. Donc si vous voyez bien, la poulie elle est montée sur un arbre qui est conique, de forme conique. Donc, si on fait glisser cette poulie, on aura un blocage à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est une forme conique. On n'aura jamais le passage de cette pièce de la partie droite vers la partie gauche. Donc, une fois on aura un blocage, on rajoute aussi un écrou et on serre l'écrou pour bien fixer cette pièce sur l'arbre 11. Mzien. On cherche aussi des pièces qui sont en liaison fixe avec cet arbre. Donc, on cherche ici. Donc, on a une pièce 14 et une pièce 7. Là, par exemple, la pièce 7, c'est une rondelle, par exemple, pour augmenter la surface de contact des roulements avec le roulement. Et 14, c'est un anneau élastique. C'est un anneau élastique. Donc, toutes ces pièces, elles sont en liaison. On peut les considérer ou les en fixe avec cet arbre. Aussi là, l'entretoise 9. Donc toutes les pièces qui sont en liaison, voilà, 11, 12, 17, 7, 9 et 14. Bien. Donc la liaison entre les deux classes d'équivalence, entre la première classe d'équivalence et la deuxième classe d'équivalence, on cherche toujours où il est le contact. Donc si vous voyez ici, on a le contact entre la pièce 11 et entre la pièce 15, on a des roulements. Donc, selon le montage de roulement, on constate que la partie mobile, c'est la partie inférieure, bien la partie de l'arbre. Donc, l'arbre, c'est lui qui fait le mouvement de rotation autour de ce corps, bien ce battu. Donc, ils sont en liaison pivot. On passe à la troisième classe d'équivalence. Donc, la broche 5, colorée en vert. La broche 5. On peut la considérer comme une classe d'équivalence. Donc on cherche toujours les pièces qui sont fixes avec cette broche. Donc ici c'est la même pièce. Donc on aura, par exemple, si vous observez, ici on a une entretoise. Et on a un anneau élastique. Donc l'anneau élastique il est monté sur l'arbre. Donc il est avec cet arbre dans la même classe d'équivalence. On peut rajouter aussi cet anneau élastique. Parce que le mouvement de rotation. Si vous voyez bien le montage de roulement, on a quatre obstacles au niveau inférieur des roulements et deux obstacles au niveau de la partie supérieure. Donc la partie qui fait le mouvement, ou bien qui fait le mouvement de rotation, c'est la broche. Donc on peut considérer que deux tournent avec cinq en même temps. Donc c'est la même, on peut les considérer dans la même classe d'équivalence. Donc la pièce 5, 6 et 2. Bien. La liaison entre la broche et les pièces, ou bien les classes d'équivalence, c'était précédemment. On a ici le contact entre 5 et 11. Entre 5 et 11. Donc, ici, si vous voyez bien, c'est les formes des cannelures. Ce sont des cannelures. Donc, le contact ici se fait par cannelure. C'est une forme spéciale. Donc, la broche peut faire le mouvement de translation par rapport à 11. C'est bien. Donc, on passe à la quatrième classe d'équivalence. Donc, ici, voilà la classe d'équivalence et le ferreau. Donc, notre ferreau, on sait bien qu'il est guidé au mouvement de translation par l'intermédiaire de vis sans tête et d'écrou. Donc, le mouvement, il est guidé au mouvement de translation par rapport au corps. Et on sait bien qu'il y a une liaison entre la broche et le ferreau. Donc c'est bien, donc la pièce, ou bien la seule pièce qui est dans la classe d'équivalence, c'est la pièce 4. Pour étudier les liaisons, donc on a ici des roulements, donc automatiquement c'est une liaison pivot entre la classe d'équivalence en bleu et celle en vert. Et à ce niveau, donc on a un vis sans tête à titan, donc on a une liaison glissière. C'est bien.
Elle reste que cette classe d'équivalence. Donc, c'est quoi? C'est la classe d'équivalence constituant la partie mobile ou bien la partie d'entrée dans notre système pignon-crémaillère. C'est la broche de commande ou bien le bras de commande. Donc, si on fait tourner ce bras 24, on aura la rotation de cet arbre et la rotation des pignons qui va permettre de faire déplacer ou bien de déplacer le fourreau au mouvement de translation par rapport au corps. Donc, les pièces qui sont dans la classe d'équivalence, on a la pièce 13, c'est l'arbre, la pièce 24, les leviers, la pièce 23, les écreux de montage, et la pièce 20, c'est l'anneau élastique qui permet de fixer cet arbre à ne pas déplacer, soit vers la gauche, soit vers la droite, ou bien plus précisément vers la gauche. Parce qu'ici, on a un épaulement. Donc, la liaison entre cette classe d'équivalence par rapport à cette classe d'équivalence, c'est une liaison pivot, mais pivot à contact direct. Donc, on n'a pas rajouté les roulements, bien les coussinets. On n'a que le contact direct entre les deux classes d'équivalence. Et par rapport à ce niveau, donc ici, c'est une liaison, c'est un système de transmission. Il n'est pas une liaison parce que ici, c'est un pignon et celle-ci, c'est une crémaillère. Donc, c'est un système qui permet la transformation de mouvement de rotation en mouvement de translation des fourreaux. Donc voilà les classes d'équivalence. On passe maintenant à schéma cinématique. Donc schéma cinéma ou bien schéma cinématique. Voilà toutes les pièces qu'on a utilisées ou bien qu'on a déduites dans les classes d'équivalence. Il reste la pièce 1, c'est un roulement. Donc on ne le met pas dans les classes d'équivalence. C'est-à-dire 10 jaglina, un ressort. 8, c'est un roulement, donc toutes les pièces d'Arlene. Donc pour le schéma cinématique, par exemple, donc voilà le poulet étagé qui est guidé en mouvement de translation par rapport à cet arbre. Donc voilà le mouvement de translation par rapport à l'arbre, donc c'est une liaison glissière. Et il est guidé par rapport à un élément fixe, donc par rapport au bâti en liaison pivot. Donc voilà les deux liaisons concernant la classe d'équivalence en rouge. La classe d'équivalence en vert, on n'a que le mouvement de translation ici, donc de translation. Tuma, le fourreau d'Yali, ou bien la crémaillère, ils sont guidés en translation par rapport ici. Donc on va trouver une liaison glissière, ya, par rapport à quelque chose qui est fixe, donc par rapport au battu. Donc il y a la liaison d'Yali glissière qui va permettre de déplacer l'élément header. La liaison, une agnésie liaison pivot, donc voilà le pivot d'Yelai. Tchoumme, un système pignon crémaillère, donc voilà le pignon. Donc on trace le cercle primitif des pignons qui est guidé en mouvement de rotation par rapport à un élément fixe, donc voilà la liaison pivot. Donc le mouvement de rotation de ce pignon permet de déplacer le corps de Camelot. Donc H, donc on aura un mouvement de translation de la sortie. Donc on peut dire que nous pouvons dire à de la forme donc voilà la poulie étagée d'Yali. Il est guidé au mouvement de rotation par rapport au battu. Tout le monde dit qu'il y a une liaison glissière avec la broche. Donc la liaison glissière avec la broche. La broche, c'est il est guidé au mouvement de rotation par rapport. Donc voilà la liaison, mouvement de rotation par rapport à la crémaillère. Donc la crémaillère est guidée en translation par rapport à au battu. Et voilà le pignon qui permet de faire déplacer la crémaillère donc regardez le schéma cinématique du système. Donc demain chevaux le pignon crémaillère. Qu'est-ce que ça veut dire un pignon et crémaillère? Premièrement, voilà une représentation 3D ou bien en perspective. Ensuite, une animation de mouvement pour bien comprendre le principe de transformation de rotation en mouvement de translation de la crémaillère. Mais vous voyez bien que ce mouvement n'est pas cyclique, c'est un mouvement qui est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pignon ne peut pas traverser la limite de la crémaillère. Donc, une fois le pignon est arrivé à la fin de la crémaillère, il est obligé de faire le mouvement inverse pour retourner à la partie de départ. Donc voilà un dessin de définition ou bien un dessin d'ensemble d'un système pignon-crémaillère. Vous voyez bien ici que le pignon il est toujours symbolisé par un trait mixte qui représente le diamètre primitif. C'est là où il y a le contact entre les dents.
Donc c'est le diamètre primitif avec une crémaillère à ce niveau. Donc voilà la crémaillère d'Yelk. Donc la crémaillère mais le pignon, si vous voyez bien, si on fait la coupe ici, on a dit toujours que les dents, on ne met pas les hachures, la partie de les dents, Kendiro, le trait mixte. Le trait mixte. Donc le trait mixte, il représente toujours le diamètre primitif ou bien là où il y a le contact entre les dents. مزيان هنا شنو عندي هنا عندي واحد لو ترو افيك واحد لا رينور دونك الا درنا ان اربر هنا دونك اوني اوبليجي دو راجوتي ان كلافيت بور كو لاربر في لو ميم موفمون كو البينيون دونك باش يكون عندك لا ليزون بيفو ديالك او بيان لا ليزون اون كاستر ما بيناتهم بجوج دونك هذا هو لو ديسان دونك بور لو شيما سينيماتيك سي بريسك لا ميم شوز باغ اكزومبل سي اون ديسيني كو لو ديامتر بريميتيف ثم عندي لا كريمايير باغ اكزومبل لا كريمايير هي لي غيدي موفمون دو روتاسيون دونك فو زالي روجوتي ان ليزون غليسير باغ رابور ليليمون ديالو اي لا كريمايير هي لي غيدي موفمون دو روتاسيون دونك فو راجوتي ليزون بيفو افيك سون سيبور دونك في البورت في لافي دو غوش لافي دو غوش شنو عندي عندي لو سامبول ديال البينيون عادي جدا عارفينو كيفاش داير ثم السامبول ديال لا كريمايير سي لا ميم شوز مي افيك لا بارتي انفيريور باغ اكزومبل هنا اعتبرناها فيكس يعني هذا غادي يعتبر غادي يدير الموفمون دو روتاسيون دو لا ترانسلاسيون ميم طون دونك الا شتي من الفوق كيفاش غادي يبان لك هادشي دونك فوالا ان اكزومبل دو مونتاج ديال البينيون الى كريمايير هذا تيتسمى ان اكسيون روتاتيف او بيان ان فيران روتاتيف لو برانسيپ دو سو فيران لي تري سامبل دونك باغ اكزومبل سي اون في تورني هاد crémaillère ou bien le pignon vers la droite, donc dans le sens horaire, on aura un déplacement de ces tiges vers la partie droite. Et ce, si on fait la rotation dans le sens anti-horaire, donc on aura un déplacement de ce pignon vers la de ce piston vers la partie gauche, tout simplement. Donc, c'est un virage rotatif. Donc le système pignon-crémaillère, il permet de transformer le mouvement de rotation des pignons en un mouvement de translation de la crémaillère ou vice-versa. Donc on peut transformer la translation de la crémaillère en mouvement de rotation de pignons. On dit que le système pignon-crémaillère, il est réversible. Donc toujours notre animation. Donc si on veut dessiner un modèle fonctionnaliste adapté des mécanismes. Donc, le système pignon-crémaillère permet de transformer une énergie mécanique de rotation continue en énergie de translation et ou bien inversement, en inversement. Donc, on peut faire l'inverse. On peut transformer la translation en rotation. Donc, au niveau de l'entrée du système, dire que l'énergie, c'est l'énergie mécanique de rotation qui peut être transformé en énergie de translation, ou bien une énergie de translation vers une énergie de rotation. Donc maintenant, on passe à la loi d'entrée-sortie des mécanismes. Qu'est-ce que ça veut dire la loi d'entrée-sortie? Donc, en fonction des données d'entrée, on peut déterminer les éléments caractérisant la sortie. Par exemple, à l'entrée, on aura un mouvement de rotation, donc on aura une rotation d'un angle ou bien d'une vitesse angulaire oméga, ou bien une fréquence de rotation n, on peut déduire la vitesse de déplacement de la crémaillère V. C'est bien. Donc, si on aura un tour de pignon, donc un tour de pignon, un tour complet, donc on aura un déplacement de la crémaillère de périmètre, dit périmètre. Par exemple, le point de départ, c'est celle-ci. Si le pignon fait le mouvement complet d'un tour, donc, le déplacement total ici, donc c'est quoi? C'est le périmètre. Donc, un tour des pignons provoque un déplacement de la crémaillère de la périmètre. C'est la périmètre pivoté ou bien de pierre. Par exemple, si on a une tour, par exemple, une tour, on va faire que la relation la règle de 3. Donc, n fois pi d, c'est divisé sur 1. Donc, c'est un déplacement de L. Donc, à quoi est égal L? Donc, L, c'est N, le nombre de tours, N, le nombre de tours, fois pi fois D. Donc, pour calculer le déplacement avec N tour, N sans unité, P en radian et D en mètre, donc on aura L en mètre. Par exemple, c'est, on fait un angle θ. Donc, par exemple, le pignon, il fait un angle θ. Par exemple, en radian.
Donc, 2π sur 3, ou bien π sur 2, ou bien π sur 6, ou bien n'importe quel rayon, n'importe quel angle. Donc, la longueur ici, c'est θ divisé sur 2π fois π fois d. Donc, on est obligé de diviser θ et d, elle est le radian. Ça fait. Donc, θ, elle est 2π fois π, elle est d. Donc, H, donc, on va simplifier par P, il y a θ fois DLG, c'est le rayon. Donc, le déplacement L, c'est θ, l'angle de déplacement, fois le rayon de quoi? Le rayon de pignon. Le rayon du pignon. Bien, D, c'est le diamètre primitif du pignon. Là où il y a le contact, le diamètre primitif. Donc, si θ est en radian, donc on va faire la même chose, on va diviser sur 360. Et on aura toujours la longueur. Il est en mètres. Pourquoi on va factoriser? Ou bien on va. Donc, on va calculer θ en degrés et diviser sur 360. Donc, c'est pour supprimer le degré ici. I ici, c'est pour supprimer le radian. Donc, on a dit que la longueur, il est en mètres. L'angle, il est en radian, bien en degrés. Le diamètre, il est en mètres. Donc, si on cherche à calculer la vitesse, donc la vitesse c'est quoi? La vitesse c'est la fréquence de rotation fois P fois D. La fréquence de rotation fois P fois D. Mais faire attention, la vitesse il est toujours en mètres par seconde. Donc, ici on a le mètre. Donc, ici c'est quoi? C'est le tour par seconde. Donc, par exemple, la relation que vous avez déjà vue dans la physique, c'est que la vitesse V est égale à R fois oméga. Oméga, c'est quoi? C'est la position angulaire, la dérivée de la position angulaire. V, il est en mètres par seconde. N, c'est la fréquence de rotation en temps par seconde. Le diamètre primitif en mètres et oméga en radian par seconde. Donc, au niveau de la réversibilité, on dit que le système d'INA, c'est un système qui est réversible, donc on peut transformer la rotation en translation et inversement, on peut transformer la translation en rotation. Les avantages de ce système, il n'y a aucun glissement lors de la transformation à cause de l'engrainement des pignons. Donc l'engrainement, il provoque que la transmission soit sans glissement. La puissance transmissible par ce système elle est très importante, donc elle est relativement grande. Les inconvénients, c'est un système qui permet la transmission avec engrainement, donc il nécessite la lubrification. Aussi, ce système nécessite un ajustement précis lors du montage, donc il est obligé que l'ajustement d'il compte très précis, donc l'ajustement lors du montage, pour que les dents s'engrainent sans frottement et avec une fluidité de mouvement. Ce n'est pas un mouvement cyclique, ça veut dire quoi? Que le mouvement, il est fini. Donc, fini, et une fois on arrive à la fin de la crémaillère, ou bien au bout de la crémaillère, on doit s'arrêter. Le rendement du système, il est allant jusqu'à 88%. 98%. Donc voilà tout ce qui concerne le système pignon-crémaillère. J'espère que vous allez trouver tout ce que vous voulez dans ce cœur et à bientôt.